bienvenue sur la chaîne du Repère des Motards. Merci de nous retrouver pour un nouvel essai, un essai un peu exceptionnel. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il s'agit tout simplement d'un essai longue durée sur plus de 2000 km. Pour ça, eh bien, on est venu, vous le voyez, comme ici, au milieu des volcans d'Auvergne, entre Besse, Super Besse, le Mont d'Or et puis toute la région. Et on en a profité également, petit spoil pour une de nos émissions, on a fait un reportage sur l'usine Dunlop de Montluçon. Pourquoi Dunlop ? Eh bien, parce que cette 1000 GSX-S GT est équipé de Roadsport 2, mais ceux-ci ne sont pas fabriqués dans l'usine de Montluçon qui fabrique la majeure partie des pneus Dunlop en deuxième monte en France, mais bien des Roadsport 2 fabriqués au Japon. Mais revenons à notre moto, revenons à nos moutons, et des moutons on en a croisé beaucoup avec des chevaux également. C'est ça qui est bien sur ces petites routes où on a bénéficié d'un magnifique soleil, c'était vraiment top, et du coup on a pu la tester à toutes les vitesses dans tous les environnements et en duo pendant plus de 15 jours pour vous proposer justement cet essai. Donc on ne reviendra pas sur toute la présentation technique de cette moto que vous aviez déjà vue quand on avait fait la présentation presse avec Damien sur toutes les nouveautés, mais retenez-en juste une chose, il s'agit bien de la version GT, évolution de la précédente version F, et tout simplement d'une roadster carénée. Les roadsters carénées chez Suzuki, on connaît bien depuis la Bandit 1200 et la Bandit 1250, qui étaient alors en version S, et puis les déclinaisons un petit peu plus routières des motos, depuis la GSX-S 1000 S, et puis F, et dernièrement, le F a disparu, le F c'était pour fairing, le GT, bah, comme son nom l'indique, c'est pour des prétentions un peu plus GT, notamment avec ces valises qui ne sont pas d'origine, où il va falloir rajouter encore 1200 €, et oui, 1200 €, pourquoi ? Parce qu'elles sont, paraît-il, complètement conçues pour la moto, et on l'a vérifié sur autoroute allemande, parce qu'on est passé par l'Allemagne avant de venir par l'Auvergne, et effectivement, à plus de 200 km/h, avec le duo, et les valises chargées, parce qu'on est parti plusieurs jours avec, la machine ne bouge pas, elle est très très stable, notamment grâce à un empattement relativement long, et ça va être à la fois l'une de ses qualités et l'un de ses petits défauts, on va en reparler juste après. Bon, malgré tout, qu'est-ce qu'il faut en retenir ? Eh bien, on a un bouilleur de 152 chevaux, 106 Nm, pour un poids relativement léger, 226 kg. 226 kg, c'est grosso modo le poids d'une 600 Bandit chez Suzuki, il y a 20 ans. Et là, on a une vraie 1000. Côté autonomie, bah, ça donne quoi avec ce réservoir de 19 litres ? Bah, ça va dépendre de votre conso, et notamment du mode de conduite que vous aurez utilisé, entre le A, le B et le C, le A étant le plus dynamique et le C le plus cool, voire un mode pluie. Ils auraient pu l'appeler mode route, sport et pluie. Eh bien, à vitesse stabilisée sur autoroute allemande à 150 km/h, vous serez plutôt à 6,5 litres au 100. Vous allez descendre à 6 litres si vous êtes au légal autoroutier en France à 130 km/h. Et vous allez en fait pouvoir, sur des petites routes comme ici, où vous serez rarement au-dessus des 90 km/h, capable de descendre aux environs des 5,7 litres, voire 5,5, en conduite très très cool. Mais en fait, elle permet de rouler assez fort, cette 1000 GT. Et donc, votre conso moyenne tournera plutôt autour des 6 litres. Alors, ce qui est bien avec tous les nouveaux modèles récents et notamment des routières, c'est que, eh bien, on peut tout simplement les connecter avec son smartphone, et c'est également le cas de cette Suzuki. Il suffit de faire appel à l'appli spécifique Suzuki MySpin qui se charge ici, qu'on va pouvoir connecter via l'écran pour récupérer sur l'écran notamment la carte GPS, une carte GPS qui va demander notamment d'être en connexion Bluetooth permanente avec l'application. Donc attention, quand vous le mettez dans votre poche, une fois sur deux, eh bien, l'application MySpin de Suzuki passe en arrière-plan, vous perdez la connexion. Pour retrouver la connexion, il faut ressortir ça. De temps en temps, eh bien, il faut tout relancer, il faut fonctionner avec plusieurs applications à l'intérieur, parce que l'application MySpin ne suffit pas. L'intention était très bonne sur cette application, il y a vraiment une connectivité. Si vous voulez y passer beaucoup de temps, et bien vous pourrez le faire, parce qu'il y a plein d'options spécifiques, mais vous allez vraiment y passer le temps pour que ça soit hyper confort. Voilà,
on pourrait rêver d'un CarPlay sur cette Suzuki. J'espère que ça viendra, ou que ça soit aussi facile, beaucoup plus convivial, voire d'avoir un GPS intégré. D'autant plus qu'il y a une prise USB juste à l'avant qui permettrait justement de charger ce fameux smartphone, parce que quand votre smartphone est connecté dans votre poche en permanence, au bout de 4 heures, il va avoir perdu à peu près toute son autonomie, donc il aura besoin d'être branché. Et puis, dernier petit détail que l'on aurait apprécié, il y a plein de place ici, en apparence, en tout cas dans le carénage, et on aurait bien vu un tout petit vide-poche qui permettrait justement de rentrer tranquillement son smartphone. Ça, ça aurait été la bonne idée pour ce qui est censé être vraiment une routière, à défaut d'être une GT. Et d'ailleurs, cette Suzuki, eh bien, on ne peut pas lui monter un top case à l'arrière, ce n'est pas du tout homologué. Et quand je parlais de routière juste à l'avant, eh bien, on est vraiment plus dans une Sport GT qu'une vraie routière telle qu'on l'entend. De toute manière, sur le marché, il n'en existe plus beaucoup dans cette catégorie 1000 cm3. Hein. On n'y a bien que la Kawasaki SX1000 ou cette Suzuki GSX-S1000 GT. Sinon, il faut monter directement sur des 1250 RT, d'autant plus que les fameuses FJR 1300 ont disparu du catalogue Yamaha. Et si vous voulez rester après sur des cylindrés de type 1000 cm3 qui ont plein d'avantages en termes de facilité, de prise en main et de maniabilité, ben vous allez devoir passer en fait sur des trails routiers en allant vers la Tracer 9 GT, voire une vers 6000, voire une V-Strom pour rester chez Suzuki. Et d'ailleurs, quand on parle de V-Strom, eh bien on notera que le feu arrière de cette GSX-S1000 ST est quasi identique au feu de la V-Strom. Et ben voilà, on arrive sur cette GSX-S1000 GT, et en fait elle est très accessible. On a vraiment l'impression que c'est une grosse moto de l'extérieur, et une fois qu'on est dessus, ben on l'oublie, on est plutôt sur un roadster de type 1000 cm3 sans avoir l'impression de tout le carénage. La selle est assez fine, on bascule peut-être un peu plus vers l'avant qu'on en a l'habitude. D'habitude sur les routières ou sur les GT, on est un peu plus vers l'arrière. Là, on est sensiblement en appui vers l'avant. Par contre, pour le pilote d'1m70, ben, on met presque les deux pieds à plat. Ça, c'est vraiment bien, malgré une selle qui fait quand même 810 mm. Et puis, sous les yeux, on a vraiment un compteur hyper lisible. Avec toutes les informations, un compteur qui s'inverse la nuit, donc qui passe sur fond noir avec un éclairage blanc. Et puis on a vraiment des informations très claires sur les modes de conduite. Et puis en bas, on a aussi bien l'autonomie restante que la conso, que la vitesse moyenne, les doubles trips, la consommation aux 100 km, l'heure naturellement, et puis surtout les niveaux, donc entre le niveau A, B et C, A étant le plus puissant, et puis après les niveaux de traction control qu'on peut régler sur 5 niveaux. Le joystick est assez facile, y compris avec les gants, donc ça c'est pas mal. Le seul petit défaut, c'est que le régulateur de vitesse est à droite, et puis après le réglage à gauche. Ça paraît logique, par contre quand on roule avec la poignée de gaz, ben on a tendance à relâcher la poignée de gaz pour appuyer sur le régulateur. Voilà, régulateur qui fonctionne au-dessus de 30 km/h. La béquille est très très bien, c'est-à-dire qu'on remonte vraiment très facilement la moto à l'arrêt. Et par contre ici, j'ai mis un certain temps à comprendre que pour démarrer, on ne pouvait pas démarrer sur le premier rapport en débrayant, mais qu'il fallait absolument ici être au neutre pour démarrer la moto, qui a un vrai son bien grave, bien valorisant. Et ça, c'est assez exceptionnel. Ce qu'on remarque dès les premiers tours de roue, c'est qu'on a une moto relativement maniable. On est souvent habitué au GT, au Sport GT, aux routières assez lourdes, avec beaucoup d'embonpoint sur les 20 premiers kilomètres heure. Rien de tel ici. C'est plutôt une machine facile à emmener en ville, maniable. Mais quand je dis maniable, ça ne veut pas dire obligatoirement un angle de braquage facile ni court. Il est même plutôt large. Et puis quand on reste en mode B, ça donne une moto assez douce en fait. On n'a pas besoin de descendre sur le mode C qui correspond à un mode pluie. Et puis surtout, on a un quick shifter haut et bas. On n'a pas besoin de toucher à l'embrayage. Et je dois avouer que ça, plus l'aide au démarrage en côte, enfin toutes ces assistances électroniques, sans parler du contrôle de traction, etc.,
font que c'est une moto qui se prend facilement en main. On a l'impression pour une 1000 Sport GT que voilà, il faut être un pilote un peu aguerri et que c'est pas une moto de débutant, mais c'est pas du tout une moto qui fera peur, notamment à un permis A2 qui vient juste de passer A au bout de 2 ans. On a l'impression de l'avoir connue depuis un certain temps, et encore une fois, ça reste vraiment très maniable sur petite route. Je ne fais aucun effort sur le guidon pour faire ça. Le confort est plutôt bien, il y a vraiment des irrégularités là sur le sol, et jusque là ça va. Et les accélérations par contre peuvent être très très franches, et à la fois elles restent très très stables dès qu'on augmente le rythme. On a une moto qui se met facilement sur l'angle, qui reprend à tous les rapports. On peut aussi bien l'emmener à 6000 tours, d'autant plus que dès qu'elle dépasse les 6000 tours, elle a un vrai autre visage. Je sais qu'en prenant la moto, je me suis retrouvé très rapidement à des vitesses interdites en France. Et j'en avais vraiment pas l'impression, notamment à cause d'une bulle qui protège plutôt bien. Même si elle génère un peu de bruit. Maintenant, la maniabilité, dès que le rythme s'accélère un tout petit peu, la mise sur l'angle est assez progressive. La moto est très stable. Par contre, elle va pas accepter une manœuvre de dernière minute, une courbe prise un petit peu vite, et j'aurais tendance à dire qu'elle est sensiblement sous-vireuse même. Mais par contre, une fois qu'elle est sur l'angle, qu'on calcule bien sa trajectoire, c'est une moto qui reste parfaitement en ligne, qui va accepter de reprendre dès les plus bas tours et le régime moteur le plus bas. Et franchement, elle aime bien, autant elle accepte de rouler sur le dernier rapport à 30 ou 40 km/h en ville, dès qu'on l'amène au-dessus des 5000-6000 tours. Et il ne faut pas hésiter d'ailleurs à aller au-dessus, parce qu'on a quelques vibrations entre 4000 et 6000 tours minute. Notamment quand on est sur autoroute, parce que c'est à peu près le régime du légal autoroutier, les 5000 tours. Si on veut supprimer ces vibrations, ben on a tout intérêt à rouler plus vite. Non, ceci n'est pas une incitation à rouler trop vite en France. Mais sur autoroute allemande, on appréciera vraiment d'être au-dessus des 6000 tours. D'autant plus que ben voilà, quand vous êtes à 7000 tours, vous serez à peu près aux environs des 150 km/h, et à 8000 tours, vous serez environ à 180 km/h, et elle a encore suffisamment de patates sur petite route. Le troisième rapport sera vraiment idéal, autorisant des reprises franches et une montée en régime avec une sonorité de l'échappement non négligeable. Et une envolée lyrique à partir de 6000, où on sent vraiment un effet élastique. L'effet élastique qui se sent là, c'est doux et calme jusqu'à 5000 tours. Et au-delà de 6000 tours, on le sent, on a tout d'un coup ouf, un côté élastique qui va obliger à s'accrocher. Et le tout en mode B, c'est-à-dire que le mode B, déjà, il est sympathique et adapté pour une moto plutôt plus GT. Et le mode A par contre va permettre, au lieu d'avoir un rythme qui s'accélère de façon relativement linéaire, là on aura des relances encore plus franches. Et le mode A, on peut naturellement le passer de façon naturelle, simplement et hop, au compteur, et voilà. Et là, on a un couple, et les 126 Nm de couple et les 152 chevaux disponibles beaucoup plus rapidement. Côté freinage, on a un frein arrière qui est juste idéal pour asseoir un petit peu la moto avant un virage. Ça remet en confiance sans faire que la moto ne se relève, contrairement au frein avant. Les Brembo sont plutôt efficaces, ça donne un freinage puissant, mais pas trop. C'est pour ça que je renforce le fait que c'est une machine qui est plutôt accessible à un jeune permis A, parce qu'elle ne le surprendra pas. On a vraiment des freinages qui peuvent être beaucoup plus puissants, et
Là, on a de la puissance, mais qui arrive doucement si on n'utilise que les deux doigts. Par contre, c'est assez endurant. On n'a pas énormément de feeling, mais au moins c'est régulier, ça n'arrive pas d'un coup, on peut lécher les freins et ça suffit largement. Mais le mode A est vraiment impressionnant sur sa capacité à reprendre. Autant le mode B, on est sur un mode route un peu tranquille, qui ne fera jamais peur. En mode A, ben voilà, une fois que vous serez un peu habitué à la moto, vous apprécierez ses reprises, voire sa puissance, sans vouloir dire violence, mais si vous réaccélérez vraiment, là vous n'avez pas du tout besoin d'attendre les 6000 tours pour sentir tous les chevaux. Que dire en conclusion de cette 1000 GSXS GT? Ben, tout simplement que c'est une moto très facile de prise en main. On est presque sur un Roadster 1000 en fait, auquel on aurait greffé un peu de carénage et un peu de protection. Une protection bienvenue, même si en fait la bulle basse serait peut-être un chouïa mieux que la bulle haute, même si celle-ci protège très très bien parce qu'elle génère un peu de bruit dans le casque, et aussi bien pour le pilote que pour le passager. Maintenant, le moteur est vraiment disponible partout, même en mode B, road, avec un moteur sport A qui va être vraiment beaucoup plus dynamique, avec une vraie personnalité et capable de jouer entre ces deux modes. Le moteur est vraiment aidé par toute la partie électronique. Je parle pas seulement du ride-by-wire avec les modes de conduite, mais je parle du traction control, débrayable, du réglage sur plusieurs niveaux. Je parle aussi du quick shifter qui, au jour le jour, fait qu'on a une boîte qu'on oublie complètement, ça c'est un vrai plus. On parle d'un grand écran TFT. Alors, on aime bien les compteurs traditionnels parce que ça rajoute toujours du prix, mais d'un autre côté, il faut reconnaître que c'est hyper clair, hyper lisible, et que ça sera même encore mieux quand on arrivera à connecter correctement et hyper facilement, de façon intuitive, l'application mobile, parce que on a vraiment galéré avec cette d'application mobile. Mais je suis sûr qu'en y passant le temps, on peut y arriver beaucoup plus facilement. Donc, vous nous en parlerez dans vos retours si vous-même vous avez acheté cette moto, pour nous dire qu'en fait au quotidien c'est un vrai régal, ou qu'au contraire vous aussi vous avez pas mal de déconnexions intempestives. En plus, après, on a vraiment une machine qui est très très homogène en termes de freinage, en termes de suspension, même si sur les gros à-coups et quand la chaussée se dégrade vraiment, là ça peut taper un tout petit peu, et que de toute manière, une fois que vous aurez fait à peu près 220-250 km maximum, vous apprécierez d'être à bon port ou de faire une pause pour remettre un peu d'essence dans le bidon, même si, on l'a dit, l'autonomie pourra aller jusqu'à 300 km. Pour ceux qui veulent faire beaucoup de ville avec, et bien en fait c'est une moto qui se retrouve relativement maniable et facile de prise en main en ville. Par contre, attention, il y a plein de place ici, les rétroviseurs sont finalement assez larges, mais s'ils passent derrière, normalement ça passe, mais vous passerez pas aussi facilement que d'autres motos pour faire de l'interfile. Rien de nouveau sur ce type de machine là, il faut un tout petit peu d'espace. Je vous ai parlé de maniabilité. Maintenant, une fois que vous êtes sur autoroute, c'est une moto qui est extraordinairement stable. Et c'est cette stabilité qui va être un peu son point faible dès que vous allez arriver sur des routes avec des virolos un petit peu pointus, où la moto va vous embarquer un tout petit peu, va être limite un petit peu sous-vireuse, demandant à faire un petit peu plus d'efforts que par exemple la version Roadster, alors qu'en fait, elle n'en est pas très très loin du tout. Alors, côté du haut, écoutez, avec un nom pareil, 1000 GT, valise et tout, David, il m'avait vendu le truc, tu vas voir, ça va être une berline. Comme il l'a ramené, je me suis dit, bon, déjà, la selle, là, un petit peu, qui fait un petit peu mi-sportive, mi-strapontin, je me suis dit, oh là là, c'est pas gagné. Au final, après 2000 km en duo, j'ai du mal un petit peu à vous bien vous la décrire, à part vous dire que c'est un peu une hybride, entre guillemets. Parce que ça a le look d'une GT, mais ce n'est pas une GT pour la passagère. Alors pourquoi? Parce que déjà la selle, comme l'a dit David, que ce soit pilote ou passager, elle est, c'est ferme. Et du coup, on a mal aux fesses au bout de 200 km, ça c'est sûr. Deux, les poignées, elles sont super bien, elles sont grosses, elles ont le mérite d'être là, c'est déjà super rare. Par contre, petit bémol, alors elles font le job. Mais j'aurais préféré qu'en gros, elles viennent jusqu'ici, pour que du coup la main soit
à la verticale et qu'on ne soit pas obligé, vous savez, comme à l'ancienne, d'aller se mettre derrière. Là, c'est plus fatigant, entre guillemets, quand on fait un long trajet. Donc, ça aurait été mieux. Alors, les avantages, il y a quand même deux gros points qui sont top. Les repose-pieds sont assez bas. Donc, du coup, même les grands gabarits, vous êtes sur une chaise, vous ne serez pas en strapontin comme sur une sportive. Ça, c'est déjà pas mal. Et deux, les suspensions sont excellentes. Donc, en gros, les suspensions compensent la fermeté de la selle pour tout ce qui est remousse sur le bitume, plaque d'égout et autres. Donc, ça, c'est bien. Et je trouve que la moto est bruyante. Donc, mettez vos bouchons d'oreille parce que sinon, vous n'en avez plus en arrivant. Et après, autre point, pour monter dessus, c'est pas la plus facile parce que les valises, soit on se le met à la technique et effectivement, je monte, je surpasse. Mais la largeur des valises fait que pour mettre le pied de l'autre côté, ben, c'est pas évident. Et sinon, elle est haute. Donc en gros, si votre pilote est petit, eh ben, c'est un peu chaud, quoi. Si bien sûr il fait 1m90, les deux pieds à plat, là tout va bien. Et donc mon verdict, ma petite note personnelle, ça sera 13 sur 20 pour cette moto. Eh bien voilà, j'espère que vous avez apprécié cet essai longue durée de cette Suzuki GSX-S1000 GT. Si vous découvrez la chaîne aujourd'hui, ben, je vous invite à vous abonner en cliquant en bas à droite, car on a plein d'essais 2022 bien sûr, mais de toutes les nouveautés dans toutes les catégories. Et on en a chaque semaine à voir en plus de deux émissions hebdomadaires. Voilà, d'ici la prochaine émission ou d'ici le prochain essai en duo, au quotidien et en longue durée, et ben je vous dis à ciao, salut.